Les événements qu'a connu Bamako les 10 et 11 juillet derniers ont endeuillé beaucoup de familles. C'est pour venir en aide à ces familles que la mosquée de l'imam Mahamoud Diko, sise à Badlabougou, a servi de cadre ce lundi 27 juillet à une cérémonie de remise des dons aux familles de victimes des 10 et 11 juillet derniers. Composée d'enveloppes, de moutons et de vivres, ces dons visent non seulement à rendre hommage aux victimes, mais à apporter un appui conséquent pour les différentes familles. Pour rappel, l'imam a tenu à se déplacer à titre symbolique dans deux familles pour remettre les dons, à commencer par la famille de Mohamed Doumbia, père d'une des victimes. Ici, le père de la victime témoigne. Et après, ce fut le domicile de Madame Doudou Bérété de recevoir la visite de l'imam et de sa délégation pour remettre les présents à l'occasion de cette fête de Tabaski. Doudou Bérété, mère d'une des victimes. Quelle a été la motivation de ces dons, Issa Kaoudjim, coordinateur national? Notre pays, c'est un pays profondément croyant. Culturellement, c'est extrêmement important que les personnes qui ont perdu leur vie pour une cause nationale, un devoir de reconnaissance, un devoir de méditation. L'imam, le cheikh respecté, à qui aujourd'hui je préside la coordination des mouvements, associations et sympathisants, qui se réclame à son leadership. Nous l'avons soutenu, accompagné derrière son leadership pour honorer ses morts, en faisant aussi des prières, programmer des prières, mais aussi un geste de solidarité à la veille de la fête, d'aller voir leurs ayants droit, ceux qui ont perdu la vue, et les envoyer symboliquement des moutons, des sacs de riz et des enveloppes, et aussi demander au bon Dieu de les accepter dans le paradis et souhaiter prompt rétablissement pour les blessés. Et tout en réaffirmant, c'était une cérémonie à leur endroit, à leurs ayants droit, pour montrer notre solidarité, notre compassion, et que nous sommes solidaires et nous allons nous battre pour la justice. Enfin, quel symbole peut-on retenir derrière ces remises de dons, l'imam Mohamed Diko? Avec non seulement les familles de défunts, et puis leur montrer qu'en réalité, on n'oublie pas si facilement. C'est des sangs qui sont versés, c'est des vies qui sont arrachées. Tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour montrer notre solidarité avec leurs familles respectives, je crois que nous ne ménagerons aucun effort pour que cela soit fait. C'est cela en réalité, c'est tout juste un geste de solidarité. Nous ne pouvons pas vraiment faire autre chose que manifester notre soutien, notre solidarité à l'endroit des familles respectives. Et c'est ce que nous avons essayé de faire, surtout dans ces jours bénis. Nous sommes dans les 10 jours qui sont des jours très bénis dans le sens islamique du terme. Nous pensons que c'est le moment qu'il faut choisir certainement pour faire ces œuvres-là. Le message que j'ai
C'est un message d'abord de paix que je lance à tout le monde et demander à ce que nous fassions vraiment preuve de retenue et de discernement. Nous sommes une grande nation, nous sommes un grand peuple. Il y a des épreuves, les épreuves peuvent passer, mais nous sommes là. Qu'on fasse beaucoup, beaucoup attention. Les épreuves sont difficiles à dépasser souvent. Que chacun de son côté doit faire violence sur soi pour que nous puissions vraiment dépasser cette étape. Je pense que nous en avons la capacité, Inch'Allah.